je m'appelle Aurora, j'ai 15 ans et je fréquente le lycée professionnel pour le commerce. À mon avis, le français est une langue importante pour notre avenir. Je l'aime beaucoup. Maintenant, je vous présente Naso. Naso est une petite ville entourée de paysages suggestifs, d'espaces verts luxuriants avec un riche patrimoine artistique et culturel. L'ex architecturale du monastère Fratelli Minori Osservanti e l'annexe église Santa Maria del Gesù remonte au 15e siècle. Sur le maître hôtel, on admire les ciboires eucharistiques, un bois de pesculté. Près du presbytère, il y a les sarcophages du noble Cardona attribué à Domenico Caggini. Le quattro petite statues allégoriques des vertus qui les caractérisaient, seulement trois sont conservées au musée d'art sacré. Les cloîtres des minori osservanti accueillent des événements culturels. Le mère de Santi Filippo et Giacomo abrite de nombreuses œuvres d'art, peintures et sculptures, des hôtels latéraux, un crucifix en bois, et une statue en marbre de la Vierge, célèbre de Vincenzo Gaggini, sculpteur vécu au XVIe siècle. En plus, les ciboires d'Antonello Gaggini, représentant le Christ, la chapelle avec des thèmes bibliques et les chefs-d'œuvre du marmorario su travaglia. Le de San Cono, bâti sur l'église de San Michele Arcangelo, remonte au XVe siècle dans cette église de Conone, a passé les dernières années de sa vie. Son clocher présente une grande fenêtre à lancette unique, en pierre grise. À l'intérieur, on peut trouver beaucoup de peintures, la statue en bois de San Cono, le Saint Patron, suppliant au moment de la mort les regards tournés vers le ciel. Dans l'hypogée, on peut admirer les chapelles baroques où se trouvent les reliques de San Cono. À droite de l'hôtel, il y a une autre statue en bois de San Cono, présente par Antenne Sombre. Les simulacres encore plus dominantes lors des processions dans les rues de Naso. Le musée d'art sacré qui si trova dalle catacombe de San Cono abriti una ricca collezione de carreaux, de faïence, de libri e objets liturgiques, de vêtements d'orfèvrerie et de peintures remontant au VIe siècle, dont la plus célèbre la Sainte Vierge à l'Enfant. L'église San Salvatore presenta une façade réalisée en Grèce par des tailleurs de Pierre Loco. À l'intérieur, on peut admirer les parvis en terre cuite nasitano et les splendides triptyques en marbre d'Antonello Gaggini, qui représente la Vierge des Anges. Du VIe siècle, les tableaux avec la Vierge à l'enfant dormant réalisés par un peintre flamand. Le théâtre municipal Alfieri, aux lignes architecturales néoclassiques, se trouve à l'entrée principale de la ville, la zone qui abritait l'ancien château. L'intérieur est caractérisé par un aménagement à l'italienne à plan elliptique. Il accueille d'importants événements culturels. Parmi les églises rurales bâties à proximité des filatures, l'église San Michele Arcangelo présente un plan elliptique de style baroque. Sa façade est caractérisée par un petit portail en grès dominé par une grande fenêtre avec des décors à volute. À l'intérieur, il y a un bel statue du Seigneur. Roccadalmo è un bur rurale di Fiebre dell'Ermitage de San Cono, dans un cadre ravissant, sur une forteresse, dans cette petite église les Seines vécues en solitude dans une grotte. Selon la légende, à sa mort, les cloches sonnaient soudainement dans le village, sans que personne ne les touchât. Les habitants accoururent à la grotte de Conone, mais ils les trouvaient morts en extase et au-dessus du sol. Chaque année, le 29 août, les habitants de Naso s'y rendent en pèlerinage.